Bonjour à tous et bienvenue dans Riding Zone, votre magazine hebdomadaire de la glisse et des cultures urbaines. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire part de vos remarques sur notre adresse email ridingzone@rfo.fr. Continuez. On démarre cette émission en Autriche avec une course de motoneige, la Swatch Snowmobile 2007. Et puis nous partirons sur l'un des spots les plus prestigieux du monde, à Hawaï, pour le Billabong Pipeline Master. Enfin, vos rubriques multimédia et insolites concluront notre tour du monde des plus belles images de glisse de la planète. Ne bougez pas, c'est parti pour Riding Zone. Au programme de ce numéro de Riding Zone, vous aurez du motoneige avec le Swatch Snowmobile 2007. À 23 ans, il a tout gagné en snow, rencontre avec Mathieu Crépel, double champion du monde de la discipline. Direction Hawaï pour la finale du championnat du monde professionnel de surf. Il s'appelle Enz, il vient de Toulouse, rencontre avec un artiste simple au flow envoûtant. Enfin, vous verrez que certains sont prêts à tout pour se procurer leur dose d'adrénaline. C'est parti pour Riding Zone. Avant de partir sur les pistes enneigées d'Autriche, prenons quelques news du monde de l'extrême. C'est parti! Bienvenue à Val Thorens sur le site du Ski Border Week, un des plus gros événements freestyle français. Le Ski Border Week est un mélange de compétitions pro et amateur en snow, en ski, saut à l'élastique et même motocross freestyle. Pour la 11e édition, la compète a bénéficié d'une neige exceptionnelle et d'un nouveau snowpark shapé par les spécialistes. En snow, c'est Thomas Sarameda qui est le grand vainqueur de l'épreuve. Attention les yeux, la scène se déroule à Las Vegas le 1er janvier dernier. Robbie Madison, superstar australienne du motocross, s'est fixé un incroyable défi, battre le record du monde du saut le plus long en moto. Au premier essai, Robbie Madison a littéralement explosé ce record avec un jump de 98 mètres. Le précédent record était de 84 mètres. Il rentre directement dans le Guinness Book et dans l'histoire des sports mécaniques. Bravo Robbie! Chaque année depuis 5 ans, les 30 meilleures snowboardeuses de la planète se retrouvent à Kaprun, en Autriche, pour la Roxy Chicken Jam, l'une des étapes les plus richement dotées du Ticket to Ride Tour. Les conditions météo étaient parfaites et les filles ont pu montrer tout leur talent. C'est finalement la Hollandaise Cheryl Maas qui s'impose devant l'Américaine Jamie Anderson et l'Autrichienne Claudia Fleury. Direction l'Autriche et ses pistes enneigées pour une course toujours spectaculaire, la Swatch Snowmobile 2007. Au-delà de la compétition et des 24 équipes qui se livrent une lutte sans merci sur un tracé de 850 mètres, c'est surtout la bonne humeur et les 4 jours de fête qui caractérisent cette course. Regardez. Chaque année, la ville de Salbach, Interglem en Autriche, se transforme en Monte Carlo des Alpes en accueillant l'unique étape d'Europe continentale de snowcross. Cette course peut s'apparenter à une course de motocross traditionnelle, mais la règle du jeu est totalement différente. Sur cette épreuve, c'est le collectif qui compte, car les pilotes s'affrontent par team. L'équipe qui parcourt le plus de tours en une heure remporte la compétition. Pour les spécialistes des sports mécaniques, le snowcross est l'une des disciplines les plus physiques. Les machines sont beaucoup plus dures à manier qu'une moto ou qu'un quad, car les skis qui font office de roue avant glissent plus qu'ils n'accrochent sur la piste. À chaque virage, les pilotes doivent balancer tout leur corps de part et d'autre de la machine pour tourner. Et sur ce circuit de 850 mètres de long, truffé de bosses et de virages en épingle, l'exercice est vite épuisant. Ah!
Les motoneiges de compétition sont des machines surpuissantes. Elles font plus de 230 chevaux et peuvent atteindre les 250 km/h en ligne droite. Mais sur ce circuit, les lignes droites font à peine 200 mètres. Après une heure de course, c'est le team Louis Trenker qui remporte la compétition avec 57 tours de circuit. Ouais, je suis vraiment super content parce que j'étais là il y a quelques temps. C'était pour les championnats du monde. Et aujourd'hui, je gagne cette course et pour moi, c'est fantastique. Le snowboarder que je vais vous présenter maintenant est l'un des sportifs français qui aura marqué de son empreinte l'année 2007. Il est sans nul doute le snowboarder le plus en vogue du moment. Il a 24 ans seulement et s'est déjà imposé dans les épreuves de Big Air et de Halfpipe dans les derniers championnats du monde de snowboard. Mathieu Crépel, c'est de lui dont il s'agit, ne cesse depuis de faire parler de lui. On l'a rencontré pour vous. Mathieu Crépel, de A à Z, c'est le portrait de Riding Zone. Salut à tous, c'est Mathieu Crépel, j'ai 23 ans, je fais du snowboard depuis 15 ans et puis je suis double champion du monde de Big Air et Halfpipe en 2007. J'ai toujours été près de la montagne, en fait mon père était moniteur de ski, donc j'ai été mis sur des skis vraiment très très jeune. Et puis après avoir fait beaucoup de ski, j'ai découvert le snowboard vers l'âge de 8 ans. Avec une planche d'adulte fabriquée par un pote de mon père, découpée, fixation de ski dessus, enfin un bon bricolage. Au début, j'en faisais en marge d'entraînement de ski parce que j'étais dans un ski club vraiment à fond et du coup j'avais très peu de temps pour faire du snow. Mais dès que j'avais un moment, je mangeais pas, je prenais mon snow, j'allais rider. Puis au fur et à mesure, voilà, j'ai trouvé que les sensations étaient meilleures, que dans le ski j'étais un petit peu bridé, j'avais pas la possibilité de faire tout ce que j'avais envie. Et alors que dans le snow, bah, j'avais un groupe de potes et puis voilà, on voulait aller construire un petit kicker, on y allait et puis on commençait à sauter, faire du freeride. Voilà, j'avais le moyen de m'exprimer comme j'en avais envie. Donc voilà, j'ai jamais vraiment imaginé que le snowboard puisse devenir mon métier. Ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai avancé petit à petit, je suis toujours resté passionné et je pense que c'est le plus important pour progresser. Bah, c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, je suis parti en sport-études. Pendant 2 ans dans les Alpes, alors que moi je viens des Pyrénées, c'était des sacrifices. C'était plutôt un moyen de m'apporter autre chose. Et je regrette en aucun cas les choix que j'ai faits parce que aujourd'hui je suis comblé. Et voilà. Il y a des moments très forts à la fois en compétition et à la fois en trip ou même juste une journée de ride avec les potes et des choses comme ça. Après, un gros gros souvenir, et je pense que c'est un voyage que j'ai fait au Groenland à l'âge de 10 ans pour un film avec Quicksilver, avec Serge Vitelli, Bertrand de Nervaux, Jason Haynes, des riders comme ça qui étaient un peu au top à ce moment-là. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie de ce voyage, quoi. Pendant 3 semaines, j'ai vu ce que ça pouvait être la vie d'un pro snowboarder, quoi, d'aller rider dans des endroits incroyables. Et puis je me suis dit, bah, voilà, si être pro snowboarder c'est ça, voilà, c'est ce que je veux faire, quoi. Moi j'ai eu la chance ou peut-être, je sais pas, un petit peu la réflexion de me dire qu'il valait mieux y aller petit à petit, pas à pas. Quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, mais pas se blesser, parce que je pense que voilà, on peut progresser plus vite si on est casse-cou, puis d'un coup se blesser et perdre tout le bénéfice de la progression qu'on a eu. Donc moi j'ai eu la chance de pas trop me blesser, certainement grâce à ça. Donc je suis vraiment pas casse-cou, j'essaie d'évaluer tous les risques qu'il peut y avoir avant,
pas non plus être trop à trop m'imiter, mais après je fonctionne vraiment au feeling, quoi. La prochaine grosse échéance au niveau des compètes, pour moi c'est les X Games, c'est la fin du mois de janvier. Ensuite j'organise mon événement MC Invitational qui fera partie du circuit TTR au mois de février, chez moi dans les Pyrénées. Et puis ensuite je prépare un documentaire aussi sur un petit peu le snowboard et les valeurs que peuvent avoir aujourd'hui les snowboarders, notamment vis-à-vis de la protection de l'environnement et tout ça, et voyage. Découverte de pays fabuleux comme repartir au Groenland, des choses comme ça. Partons maintenant pour l'un des spots les plus prestigieux du monde, Hawaï et ses vagues mythiques, pour le Billabong Pipeline Master et son prize money de $300,000. C'est la dernière étape du championnat du monde et la plus légendaire compétition de surf de tous les temps. Les plus grandes stars s'y donnent donc rendez-vous chaque année pour y affronter les plus grosses vagues de l'archipel hawaïen. Frissons garantis, regardez. Bienvenue à Hawaï, mec de la glisse et des jolies filles pour les Billabong Pipeline Master, la finale du circuit professionnel de surf. Pour la première fois en 37 ans d'histoire, la compétition n'a pas été organisée sur la mythique vague de Banzai Pipeline, mais sur le spot de Off the Wall. Mais rassurez-vous, ça n'a pas empêché les surfeurs se donner au maximum. On commence par le surfeur français Jérémy Flores, originaire de l'île de la Réunion. Il finit à la 9e place de la compétition en étant éliminé en 8e de finale par Dean Morrison. Il décroche quand même le titre de meilleur jeune du circuit. Et voici la superstar du surf, Kelly Slater, 8 fois champion du monde. Malgré un surf toujours aussi puissant et stylé, il se fait éliminer en quart finale par son compatriote Chris Ward. Le Brésilien Neko Padarats, 31 ans, fait mieux que Kelly en décrochant la 5e place. Ce spécialiste des vagues creuses est quand même le mieux placé des Sud-Américains. C'est parti pour la grande finale. On commence par la prestation du local du spot, l'Hawaïen Pancho Sullivan. Malheureusement, Pancho n'a pas su trouver les bonnes vagues et il finit 3e. Dean Morrison, qui a sorti notre Frenchie Jérémy Flores, est très en forme. Il termine 2e de la compète. Et voici la révélation des Pipe Masters 2007, l'Australien Billy Durbidge. Il prend la meilleure vague de l'après-midi et l'exploite jusqu'au bout. La victoire de Derby Joe Billabong Pipeline Master lui rapporte $30,000, une voiture, mais surtout la reconnaissance du milieu. Pour les surfeurs, gagner cette compétition est une consécration et un accomplissement. Partons maintenant à la rencontre de Hens. Ce jeune rappeur est originaire de Tarbes et s'est fait un nom sur la scène underground du hip-hop français. Complice de Kondo, dont nous avions parlé il y a quelques semaines dans Riding Zone, Hens ne devrait pas tarder à faire beaucoup parler de lui. On l'écoute. Dans ma boutique, ha, ha, yo, tu trouveras tout un truc de base dans ma boutique. Dans ma boutique, tu trouveras tout, tout, tu trouveras tout dans ma boutique. Ha, ha, yo. Je m'appelle Hens, je rappe depuis une dizaine d'années. Je viens de Tarbes, dans le sud-ouest. Ça fait donc 10 ans que je rappe et que je fais des scènes. En fait, j'ai commencé à rapper et une semaine après que je rappais, je faisais ma première scène. Donc ça, c'était à Tarbes, à la Geste, je me rappelle. Et donc depuis ce jour où j'ai commencé à rapper, j'ai rencontré plein de gens
qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et les gens importants, notamment, ça a été il y a 4-5 ans, Mélomaniac. Et avant ça, j'avais rencontré un trio de jazz qui s'appelait Le Milieu, avec qui je travaillais, avec qui j'ai fait pas mal de scènes. C'était basse, batterie, piano, et moi je rappais. Et donc ensuite, la vie a fait que je suis venu m'installer à Paris. J'ai rencontré donc Mélomaniac, les trois producteurs. Et donc j'ai continué avec eux et on a fait du son, puis un premier maxi, puis un deuxième maxi, puis un album que je suis en train de défendre actuellement. L'album s'appelle Ma Boutique. Dans ma boutique, ça, yeah, ça, yeah, ça, yeah. Il a vu le jour dans nos têtes en fait il y a à peu près 2 ans et demi. Je dis on parce que c'est mon album mais c'est vraiment Mélomaniac et moi en fait. On pensait que ça allait être plus rapide que ça, mais petit à petit, plus les morceaux se faisaient, on avait une idée de plus en plus précise et de plus en plus fine de ce qu'on voulait entendre. Donc c'est pour ça que ça a pris ce temps-là. Et donc au final on est très très fiers de ce disque parce qu'il ressemble à ce qu'on voulait. Il n'y a pas grand chose comme ça dans le rap français en fait. Donc on a fait ce qu'on voulait et selon nos envies et tout ça. Donc on est super fiers de ce disque. Mais mon rap c'est du rap on va dire à échelle humaine en fait. Dans le rap français c'est pas très très courant d'être un homme, d'être un être humain en fait. C'est tous des bonhommes, ils sont beaucoup dans la représentation. Et moi, j'essaie pas d'être dans... ou dans l'imposture. Et moi, j'essaie vraiment d'être qui je suis et d'apporter juste ma vérité, ma façon de penser, ma façon d'être. Et c'est ça que j'essaie de développer par ma musique. Et c'est ça qui n'est pas très courant dans le rap et même dans la musique actuelle. On vit dans un monde où la starification est grandissante. On veut être star avant d'être artiste. Et moi, je pense qu'il faut ramener l'art à la source et vraiment faire de l'art pour l'art, quoi. Et raconter des choses. C'est ça qui est riche dans la musique, dans tout, quoi. Il faut avoir un truc à dire. Et c'est ça qui manque un peu dans le rap français, dans la musique FM actuelle, quoi, en fait. J'aime vraiment la formule MC DJ. Je trouve que c'est hip-hop et il faut que ça reste. Et puis la formule avec les musiciens, ça ouvre plus. Sur mon album, j'ai fait intervenir un flûtiste sur un morceau qui s'appelle Comme les autres. Et il est venu, il a fait le refrain, il fait un chorus à la fin. Il n'y a pas de collaboration comme on l'entend dans le rap en général, un featuring, machin. Il n'y a pas d'autres rappeurs en fait sur mon album. C'était mon album solo. Et j'ai pas réussi à faire des morceaux avec d'autres personnes. Je ne suis qu'un homme comme les autres. J'ai du mal à dire je t'aime. C'est maladif, sur mon avis si je peins. C'est la faute de la nostalgie que je traîne. J'ai pas fait l'album en me disant. Tiens, dans mon album, il faut que je parle de ça ou il faut que je parle de ça. J'ai parlé de ce que je voulais. J'ai parlé de tout un peu, tu vois, ce qui me touche dans la vie de tous les jours. Et à la fin, j'ai dit, bon, ça rentre, ça rentre pas. Mais si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les relations humaines entre hommes et femmes. Tu vois, ces choses-là, j'aime beaucoup en parler. Sur scène, j'ai donc deux formules. La formule classique, on va dire, hip-hop, c'est un DJ et moi, je rappe. Avec les musiciens, c'est une autre vibe, mais ça reste du rap, ça joue du rap, quoi. C'est vraiment pas, c'est pas soul funk ou quoi que ce soit, c'est rap, c'est hip-hop. Yo, 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 c'est Enz sur Riding Zone, François, RFO. Yo, ne cherche pas l'or sur mon torse, ne cherche pas les impacts de balles sur mon corps. Tu trouveras que dalle, mais faut pas que ça t'étonne. Non, je ne suis qu'un homme comme les autres. Paix. Chaque semaine dans votre rubrique insolite, je vous fais découvrir la folie de nos sportifs de l'extrême. Cette semaine, je vous emmène à Taïwan, au sommet de l'un des plus hauts gratte-ciels du monde, 508 mètres, à la rencontre de base jumper qui n'a pas froid aux yeux. Des images à vous couper le souffle. Vous êtes prêts? C'est parti!
tallest building in the world, Taipei Financial Center 101. Check this out. Right on, I did it again. Base jumping off the highest building in the world, Taipei 101. It was a tough mission because it was illegal, so I had to deal with wind and security. But what can I tell? Right on, I'm the happiest person in the world. Chaque semaine dans votre rubrique multimédia, c'est l'occasion de mettre la lumière sur un film. Cette semaine, un documentaire sur un grand monsieur du skate, Steve Rocco. On regarde. En ce début d'année, ne manquez surtout pas le DVD The Man Who Sold the World. Ce film raconte l'histoire de Steve Rocco, un pro-skater américain qui a révolutionné l'industrie du skate et la culture urbaine avec des films et des clips qui ont marqué l'histoire de la glisse. Regardez. But in a different way, different foot size. Well, when Rocco started World Industries, it was like an answer to everything that was happening in the skateboard world. And obviously, y'all are old enough to be mature enough to know that that is not made for skateboarding. It was like a revolution in skateboarding. I thought what Rocco was doing had a good energy to it. He was just all about skateboarding and all about having fun, and it's how he ran his business. I just walked up to him, told him not to fuck with me, I take it personally. He stole riders, he took new guys and turned them into superstars overnight. And I think he invented baggy pants. I love Rocco. Kill Rocco. Not video me. I don't want to be on video. Steve is a hell of a nice guy, but he doesn't have much of a conscience. They put out pornographic graphics. They went against religion. They did things about drugs and guns. They did not hold back. They were not the Mother Nature skateboard company. Mixed in with skateboard articles and stories of graphic sex is an article that details how to kill yourself. I used to keep two guns at work. It just seems like we were always starting a lot of controversy. From a business and a marketing point of view, I thought it was very impressive because he was so successful at it. But then again, I thought what Hitler did in Germany in the early 40s was also very impressive in how successful he was at it. That doesn't mean that it was all that good. Et oui, c'est déjà fini, mais rassurez-vous, si vous voulez voir ou revoir cette émission, Riding Zone continue sur le site internet de RFO. Continuez à nous écrire sur ridingzone@rfo.fr, l'adresse inscrite en bas de votre écran. Quant à moi, fidèle au poste, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même antenne. On se quitte comme d'hab en images, merci de votre fidélité, ciao.